Machette militaire, ça m'intéresse. Ça peut m'intéresser. Tiens, c'est porté. Hein. Bah maintenant on peut reprendre le TP. Attends, y'a pas une autre quête à faire hein. Attends. Si, y'a un drapeau là, acheté. Faut aller dans les jungles. Ah non, c'est les boîtes de conserve, non, faut que je les donne à quelqu'un d'autre les boîtes de conserve. Rendez-vous dans la planque des Russes. Quoi? C'est où ça? Ouais, c'est dans la jungle. Ok. C'est loin. Bah allons dans la jungle. La jungle, la jungle. Chapitre 11. Qui la jungle? La belle jungle, la jungle. Attends, ah oui, je vais donner les 5 RBL. Tu peux choper ta récompense aussi. C'est tout? Non, non, attends, y'a un autre mec à donner. Faut que je donne des boîtes de conserve et boîtes de conserve, j'ai trouvé. Ok. Je te suis. I'm on it. It's okay, guys. We got this. Non, c'est pas là. C'est chiant. Ouais, c'était là. Salut. Ouais, c'est mieux par la porte généralement. Salut. Salut les potes. Salut. Voilà. Qui est dat abo bastard? C'est bon, je vais donner. Absolument un donné. Rien à branler, mec. Super merci, ça. Tu m'as donné des bottes de conserve. Super ça. Alors, c'est quoi le plus proche maintenant? Bravo Nils. Hein. Bravo la caméra. Bah, le plus simple, c'est la planque des Russes. Bah, allons-y. À 200 mètres là? Ouais. C'est juste parti en fait. Hein. Je sais pas si on peut passer par là. Je sais pas. Tu verras bien. À mon avis, non. À mon avis, il faut faire le tour avec la voiture. Avec la belle voiture rouge là, vraiment. Vas-y, conduis. Je suis ton copilote. Le copilote, pas GPS par contre. Ouais, bah ouais, non, mais. C'était en option, mais je l'ai pas prise du coup. Trop cher, hein, il est fou lui. Ouais, putain. Ah, il va à un mur. Tellement chiant la jungle. C'est vrai, ils auraient pas pu faire des routes droites. T'es quoi? Des routes? Parce que c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est la jungle. C'est la rue, mec. Eh non, mais j'ai rien touché là, par contre, arrête le jeu. J'ai pas touché, hein. J'ai pas touché. On reviendra après, les gars. On reviendra après, vous inquiétez pas. Comment dire? Je peux pas aller plus loin, mon gros. La planque des Russes, elle est bien planquée, hein. Andy. Je suis la merde la planque des rues, ouais, elle est au bord d'un chemin, t'as pas besoin de planque. Et mon pote les pires mobs. Les berserkers. La première fois que je l'ai rencontré, il me faisait peur. Les berserkers à côté, c'est broken. En même temps, j'avais 10 ans. J'ai vu son petit visage un peu boursouflé, j'ai fait. Moi, c'est le noyer, hein. Le noyer, il m'était mal à l'aise. Alors oh que non, il se trouvait juste gros, gros et immonde. Easy Trusha. Quoi? Il est entouré de navires de la. Quoi? Il y a un coffre là-bas. Un canabo, je sais pas ce que c'est. C'est un beau. Canabo, c'est juste en fait un type de beau. Voilà. Il est en métal, il y a un mode là, mode rasoir. Tout le monde a fait ce qu'on avait à faire ici, il y avait rien d'autre à faire? Bah non, bah là c'est fini. Alors c'est quoi la situation? Là, plus proche. J'ai l'espionnage. J'ai l'espionnage, c'est où? 200 mètres? Ouais, comme ça après on redescend sur la plage. Ouais, c'est celle-là. Donc c'est. Tu es Vargas. Tu es Vargas. Suis-moi. Ah d'ailleurs l'année prochaine ils vont sortir un Oddworld. Ah ouais? Ouais. Ça va être incroyable. Je pense qu'ils vont sortir en même temps que la PS5. Ouais. Mais ça suffit. Genre y'a personne qui connaît ce jeu. Si justement. Okay. La fanbase elle est insane de jeu. C'est un mur. A l'aide. Ouais t'inquiète. Hop. Et voilà. Nice bowling strike.
Non, plus faire. Salut. Pfff. Aïe, aïe. Midlife. Ouais, t'inquiète. Midlife. Il me casse les couilles les deux cons là, avec leurs embuscades là. C'est l'autre côté en plus, putain j'en fais plus. J'en peux plus. C'est le pire livre rubérique que j'ai jamais vu. Hein. Bah je me mets en belle position pour écraser les piétons, c'est rien moi, je suis 3 GTA. D'ailleurs est-ce que t'es hypé par GTA 6? Ah j'ai passé un niveau sup. Mais si c'est full connard hein. Fuck yeah. Y'a pas. Ose me dire que c'est pas le meilleur gameplay ce mec. Ouais en haut je vais pas gaspiller mes armes, sinon je la vois plus là si je loupe mon tir. Eh Vargas mon pote, viens voir, t'inquiète pas, nos arnaques. Et les zombies sont vraiment tankés à côté de eux, c'est des kekos hein. Je viens de jeter un mec avec une AK. C'est quoi, c'est un FAL? Carabine à tir unique. Non mais c'est des carabines. C'est des carabines inventées. Ok. Bah 3400 dégâts c'est beaucoup quand même. Ah, je lance un canabo, je lance le canabo par terre. Canabo. Tiens, je t'ai récupéré un truc normalement. Inventaire. Tiens. Je pense que c'est bien. Il fait moins de dégâts que mon arme qui fait le. Attends, j'espère qu'il a balancé dans le tas d'armes que je suis en train de balancer là. Non, le couteau il est là. Mais il tape 238 donc il me jamais. Bah, je l'ai instant, je t'ai dit, c'est lui qui avait la caille, il s'est pris une hachette dans le crâne, coupé en deux. Il est où le couteau que t'as lancé? Par terre. Là. Non mais ça c'est de la merde gros, le 25. Respectez-moi un peu. Bah, c'était bien en tout cas hein. Qu'est-ce que tu veux? Fais-moi ta quête. T'as réparé tes armes ou pas? De quoi? T'as réparé tes armes ou pas? Non, là c'est bon, là, je repars sur le même système, le système d'avant, hein, c'est à usage unique. On verra bien. 700 mètres, c'est beaucoup là. Non, mais on va pas faire ça. On en fait une autre normalement. Ah oui, parce qu'il nous propose de retourner à la ville là. Ouais, laisse tomber. Espionnage, retourner voir Cater. Attends, il y a que courir à sa perte, hein. Courir à sa perte, sinon c'est la quête principale. Hein. Allez, non, go, go. C'est aller au village d'Afran là. Non mais village de France c'est la quête principale. Non, il y en a une autre en bas. Je sais pas comment elle s'appelle. Bah, je te dis, il y a courir à sa perte. Allez, retourne voir Carter. Voilà, c'est aller au village d'Afran, elle est en bas, c'est pas la quête principale. Bah si. Mais il y a aller voir les deux connards de la. De trucs. Ou alors c'est eux. What? Attends. Pour moi c'est mercenaire aller dans le village d'Afran. Hein. La quête principale. Aller dans le village d'Afran. Vas-y, ouais, vas-y. C'est le plus proche. C'est à 200 mètres, mais où ça va se passer? T'as fait quoi avec la voiture? Attends, je descends pour voir ça parce que je crois qu'elle vole. Hein. La voiture est compromise, je répète, la voiture est compromise. Putain, mais. Deux secondes, il a pris la bagnole deux secondes. J'ai juste voulu faire un demi-tour. Hein. C'est pas ma faute si je l'ai mal fait. Hein. Ça tourne mal, hein. Ça tourne mal. Bah sans déconner, je le dis aussi, hein, t'inquiète pas. Hein. C'est bon, tu l'as débloqué? J'ai entendu une voiture derrière moi, si c'est pas toi, c'est du trolling. Hein. C'est les mecs qui te poursuivent. Ouais. Mais tu pas gros. La mort là c'est 15 000 dollars, on va s'en passer. Hein.
C'est peut-être même plus en fait, parce que j'ai 120 000 $. Hein. Taxi, posez-moi au village d'Afron. Ah, ça tourne mal. Ça penche à gauche. Ça se passait bien, écoute. Crase-moi, c'est con là. Ça se passait très bien. Pourquoi tu tires pas avec des armes? Parce que ça sert à rien. En fait, le principe de mon perso, c'est que j'ai une chance sur deux, quand je lance mon arme, qu'elle revienne dans ma main. Ce qui fait que c'est très rigolo. Regarde, tu fais gaffe, quand je tire, il y a une chance qui est marquée boomerang. Quand il est marqué boomerang, elle revient dans ma main. Ce qui fait que j'ai entre guillemets arme infinie. Mais sinon oui, ah, je pourrais prendre. Non, je peux pas y aller, ok, d'accord. Sinon je pourrais prendre tout à fait une. Je pourrais tout à fait prendre une carabine, j'en ai une d'ailleurs sur moi là. Placer à la place de ça et puis. Puis me battre contre les mecs avec ça, mais je trouve ça un peu moins marrant. Dans ton crâne gros. Ils sont bourrés quoi. Bon, je vais le chercher parce qu'il. Il se cache. Salut les potes. Allô? Merci. Ah, j'ai mis une tête à un mec, il prend pas. Ah là, je me suis rentré dedans, j'aurais peut-être pas dû. Hein. Ça, ça me dépasse qu'il y ait donc des headshots par contre. Hein. Autant ceux qui ont des casques, je peux comprendre, mais alors les autres, c'est du trolling. Hein. Comment c'est fini? Bah, il reste à franc. Parce que je l'ai pas vu le boss, moi. Ah, si, y'a encore un peu de monde, attends. Ah, bah, apparemment, les voitures des bus, c'est tanky. Hein. On peut pas tirer à travers? Bah, apparemment, non. Ça sent comment les bus, gros? Hop. Du coup, je suis invulnérable si je suis dedans. Hé, 200 écus. Salut les potes. Passage en force. Nous, ce qu'on j'entends tirer là. Ah, franche, où tu te caches? Mais. Je suis bloqué. Je suis invisible. Vas-y, je te couvre, ouvre la porte. T'as du mal là. Il reste un? Il reste encore du monde? Ouais, ouais. Non, mais nous on. Apparemment on massacre la population locale. On a plein d'apocalypse zombie, au lieu de s'allier, l'humanité se tire dans les pattes. Attends, il en reste un là, il reste une tête de mort. Wouh. Juste là dehors. Une caisse là, étoile du matin. Avec la tête de mort au fond, tu veux. Ok. Le village est en plusieurs parties? De quoi? Le village est en plusieurs parties? Ouais, bah apparemment là on continue, c'est pas fini. Ils sont combien? Ils sont une armée, ils sont deux! Ah ouais, c'est ça que c'est. Headshot. Je vois personne, dehors. Ouais, t'as pas besoin de voir, j'ai besoin de me suivre. Voir c'est en option. Va se passer. C'est tout ça pour que le boss se prenne un tout tap. C'est bon, t'as récupéré ton aim, mais on peut se mettre sur ta cave du coup. Faut arrêter de mettre des bombes partout les gars. C'est pas très malin ça. Ah oui, c'est. Ouf, oh le fast MT. Oh, il tire bien. Qui là, non? Même qui là tire mieux, mec. C'est du full trolling, là. Ah, oh, il tank le bâtard, par contre.
Est-ce qu'il tank ça? Attends, on va voir. Comment on monte là-haut? Bah, à part la porte que je viens d'ouvrir. Ils ont bien tanké mes couteaux en vrai, ces bâtards. Hein. Même le spécial, j'en ai pas tué un. Hein. Fais gaffe, y'a des petits barils. Hein. MDR, j'ai bugué le boss. J'ai bugué le boss. Ah non, il a débugué! Je suis mort. Il a débugué devant moi. Allez, cours! Je t'ai revive, hein. Bah, tiens, j'ai perdu mon avant. Mais cela n'a pas fonctionné. Ah, j'étais un peu trop loin. Mais, je suis mort. Bonne chance à toi. Tu me réveilles pas? Non, c'était bugué. Tant que c'est grand mort, le chien. Je descends. Hein. Laissez-moi passer! Il me reste une balle, c'est peu. Comme il tombe par contre c'est nimp. Hein. On se croirait dans... On se croirait dans comment ça s'appelle. Qui là quand t'as un pistolet c'est pareil. Hein. Pas des cibles. Je veux son casque wesh. Bah c'est non. Machette. Machette. C'était bien le village. Hein. Ouais, Dying Light il est vraiment excellent, Sniper Kills. Bah, c'est le prochain jeu qu'on va faire en coop avec, avec Strelok. Ouais, qui devrait arriver dans quelques heures. Hein, si il y a un mode là. Mode Phoenix. Ouais, j'ai pris. Ok. Oh, c'est bon. Village clear. Ah, c'était sympa. Hein. Dying Light il est vraiment bien et le mode hardcore est vraiment très 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 dur et très très sympa à jouer. Bien joué l'ami. Vous avez massacré la moitié de la population. Bien joué. 1800 $. Hein. Quel petit enculé. Du coup, c'est où pour sonner voir les Russes là? C'est où? C'est dans la ville ou c'est dans la plage, tu penses? Comment ça je quitte la zone jouable? Après une main là, c'est quoi? Ah, la gotucula. Attends, je suis sûr que je viens de perdre de l'argent. Hein. C'est 100% sûr que j'ai perdu de l'argent en faisant ça. Hein. Ça va checker. Bah juste j'ai quitté la zone jouable. Ouais, j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu 15 000. Ah. Salut mon pote. Ah, Bob Marley. Sure. Bah, on sait où il est maintenant Bob Marley. N'importe quoi, ferme là. J'ai un beau redoutable. Là dans le coffre. Allez viens mon pote, on t'amène au bateau. Allez Bob. T'as vu, lui il court au moins Bob. Ah, lui il court, voilà. Karma, ouvre ta gueule et puis ça y est, instantanément. Hein. Le classico. Hein. Ça c'est de la mission. Hein. Tu me donnes 1000 $ non? J'ai bien réussi la mission là. Chapitre 12. Allo? Il se passe rien? Fouiller le laboratoire. Bon, on y va là. Hein. Oui, allons-y. B. Mais j'étais à 2 mètres, à l'aide. À la foutre. B. Oui, mais toi, on s'en fout en fait. Qu'est-ce qu'il y a là? Bonjour. Je vends des aspirateurs Dyson. Ils sont d'une qualité exceptionnelle. Ah, j'entends croquer, non? C'est moi qui croquais. Ah, ok. C'est quoi cet endroit? Je suis jamais venu ici. Ah si, un coffre. Oh mais ouais. Viens ici. Il est fou lui, il me parle comme un chien. Fous le camp, viens ici.
Tu crois que c'est marrant? Do you really think you're fucking funny? Bonjour aventurier. Oh la faux vicieux à 60 dégâts. Je veux bien du coup. Bah ouais. Oh merde, ça attends, la carabine on va la refoutre dans l'inventaire. Hein, comme ça. Tiens, c'est porté. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Cassez-vous de la porte là! Putain, bon, je prends le raccourci. Ah non, la carabine elle va 1200$, on va peut-être les garder. Hein. Alors, inventaire. Tu sais ce qui est dommage dans le jeu, c'est que dans la voiture il n'y a pas de klaxon. Ah oui, ça c'est vraiment. Je suis d'accord avec toi. Ça me manque. J'aime bien quand il y a des klaxons dans les bagnoles. Alors. Je peux relancer mes fossiles, ça va être parfait ça. Bonjour. On est en voiture? On a à ce point là des petites salopes? On est en panne. Dans ta gueule, putain. Ferme là. J'en peux plus. Qui c'est qui veut jouer avec ce mec? J'en peux plus moi. On est en panne. Allez, salut mon pote. J'ai pris midlife hein. T'inquiète, je monte pendant que tu accélères, hein, pas de soucis. Oh les scientifiques. Il y en a du connard ici. Hein. Non, mais les zombies sont pas intéressants, monsieur. Ça rapporte 40 XP. Hein. Bah, c'est toujours 40 XP, mon pote. Hein. Je suis descendu, moi. Essaye de pas me tuer. Attends, bah. Cours, Forest, cours. Je suis bien, hein, c'est pour toi, regarde. Maintenant je suis inatteignable, c'est pour ta gueule. Hein. Le géopharme. Bien se passer, t'inquiète pas. On arrive, Will, on arrive. Où la porte? Quick. Oh mais ta gueule, t'es roux, de toute façon t'as pas d'âme. Allô? Y'a un mode là. Dans les toilettes. Y'a un mode dans les toilettes, mec. C'est quoi, c'est le mode shirt? Tu cherches à passer, non? Non, non. On chill là, on est bien. Vas-y, passe, gros con. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer, tu joues grand. Oui, laisse-nous passer. C'est toujours des marchands ici. Hein. Mais fais ta affaire, mais tu sors d'où toi? Vendre. Ah oui, si, tiens, achète-moi mes carabines, gros. Oh, ta gueule. J'aimerais juste une carabine. Deux, quatre, six. Y'a quand même un sniper qui m'a insulté. Hein. Quand quoi t'as dit mais qui veut jouer avec ce type, il y a marqué sniper. Personne je crois. Non, on est d'accord, non mais tu vois, c'est trollé, hein. Sniper il me comprend, il voit que c'est une douleur de jouer avec toi. Mais... toi je suis bloqué la porte là, je suis juste AFK mon pote. Bonjour aventurier. C'est pas grave mec hein, je vais regarder une série, hein, pas de soucis. Hein. Porte-manteau, mec, tu prends pas? Bon, allez, ta gueule, le roux, je m'en fous de ta vie. C'est pas le roux, c'est un autre qui parle. Ah, y'a un mode là, vers le rouquin. Ah, c'est pour ça que je voulais rentrer. Home run? C'est pour toi ça. Home run de spectateur. Ça, c'est pour moi ça. Bah, check, il faut quoi pour le craft, mec? Voilà. Bah, non, je t'écris après, mais. Mode. Comment il s'appelle? Ça s'appelle comment le mode? Home run?
Batte de baseball, il te faut une batte de baseball métallique, lame, écrou et fil barbelé. Ça peut être quelque chose d'exceptionnel. On aille sauver Franck, gros. Bah j'y vais, j'y vais. Bah, je suis en route là. Ça se voit pas? Quoi B? T'es où? Bah, mais je suis toujours dans le truc scientifique. Je peux pas B moi. Bah, je suis là. Je cours vers toi, mais y'a pas de B moi. Pour ce TP là. Bah y'a pas de B pour ce TP. J'arrive, j'arrive. Viens dans la lumière rouge. Suis la lumière, mon enfant. Ah bah super, on nous pisse dessus maintenant. C'est Golden Shower. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils veulent. Hein. C'est toujours le même problème. On est juste venu vendre des aspirateurs Dyson. Hein. Ah, tu t'es fait mordre toi. Lui, il s'est fait mordre. Il est suspect, regarde. Ah mais eux ils en gardent pour faire des expériences, mais c'est des débiles aussi. Là, c'est les pires. Hein. Hop, de l'alcool. Bien sûr, dans un frigo à côté de lui, qu'est-ce qu'on trouve? De l'alcool. Frank found a way to turn oleandersap into a poison that can shut down the central nervous system to the infected, at least temporarily. Fais péter la thune. Ouais. Y'a quelque chose à looter là-dedans ou t'as rien vu? Non mais t'as... La question c'est t'as rien d'intéressant. Bah teste bien mon pote hein, mais t'es mort hein. T'es mort le zombie hein. C'est comme lui là, lui il chill là. Bah regarde lui aussi il chill hein. Bon on se casse. Par là, tu vas par là, il y va quand même. Non, mais j'ai vu un marteau. C'était pour être sûr. Ah, je crois que j'ai ramassé un porte-manteau. Tiens, je m'en sépare. Je m'en séparer. Ouais, alors, moi je le garde pour une quête. Hein. Mais dégage, rouquin. Pourquoi faire? Pourquoi tu veux rentrer dedans? Mais parce qu'il y a un atelier. Ah, oui, bah, je et à cause du rouquin, je peux pas passer. Ah, oh, putain, mais ça a vraiment pas d'âme ces bêtes là sans déconner. Alors, quête. Putain, pas de bouquin de merde. Bon, je me dis, je vais à l'entrepôt, moi. Ouais, attends. T'as pris laquelle, du coup ? Sans électricité, elle s'appelle. Autant faire les quêtes d'ici. Hein. Ouais, genre. Je suis en train de savater du. Je suis en train de savater du. Du coup, t'as mené. Je régule la planète, moi. Ces gens-là ils respectent l'environnement n'importe quoi, ils sont fous. Non mais oh. Et là-dedans, ça il boit 20 ou quoi là-dedans? On est pas invité? De quoi? Là-dedans, il faut une petite partie là-dedans et on est pas invité. Ouais. Non mais. Je suis en train d'expliquer aux indigènes que je vais construire un immeuble là où il y a et ils sont pas d'accord apparemment. J'ai un coffre là. C'est de la merde. J'ai un petit projet d'immeuble, ça risque de vous plaire. Alors je vous achète votre terre 50$. Il y aura un petit jardin si vous inquiétez pas. Putain les pires enculés. L'espèce humaine. Attention. And he know he fucked up. J'en étais sûr. J'en étais tellement sûr que t'allais faire ça, espèce de gros con. Ton fa de terreur. Ton fa. Je te connais par cœur mec, c'est dramatique. Hein. The open the gate. Hein. Je peux pas le faire si je le fais déjà avant toi. 200 écus. Tu crois qu'il y a des bouchers là-dedans? Visite guidée. Ah, je me rappelle de cet endroit. Il y a du monde ici là. Un VS1. Okay. Tu prends le suivant.
Bolos. Non mais mec. Mec, il a 4 armes dans lui quoi. Sans bas les couilles. Oh de la chair de noyer. Bâtard, il a tout pris. Et du coup j'ai perdu une arme. Bon, je te déteste. Je te déteste. Au moment où t'es passé devant, comme un fils de pute. Ah ouais, elle a rebondi sur toi, c'est sûr, putain. J'ai envie de te tuer. T'es où? Je suis parti. Putain, c'est une bonne arme en plus. Tu viens de taper 4000 là. Hein. Je sais pas ce que t'as fait, mais... J'ai buté un Zerker. J'étais occupé. Alors... Cré. Home run dévastateur. Alors, fais-nous une belle. Est-ce que t'en as une de batte de baseball au moins? En métallique? Ouais, j'en ai une. Nice. Mais elle tape 400. Attends. Mais améliore, niveau, améliore la niveau 4 déjà. Hein. Ouais. Améliorer. Tac. Y'a un mode aussi là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vraiment, y'a des mecs là-bas. Hein. Je vais lui coder la bite. Hein. Mais. Dans le bureau, là. Tu l'as créé ton mode là? Ouais, j'ai fait mon mode. Vas-y, monte la batte de baseball. Toi, c'est Lucille, quoi. Ouais. Lucille. Comment on sort de son endroit? Ouais, elle est pas mal. Ouais, bah. Je pense qu'elle est bien. T'as combien de dégâts du coup, améliorer niveau 4? 600? Bah là, je tape 466. Tu l'as pas amélioré au niveau 4, c'est pas possible. De quoi? Si, si elle était à 400, t'as pas gagné 20 dégâts en l'améliorant au niveau 4, si? Bah si. What the fuck, c'est impossible. Bah elle tapait. Tu m'as dit qu'elle tapait 400? Avant? Bah elle tapait 398. Elle était niveau 3, je l'ai passé niveau 4. Ah, elle était déjà niveau 3, ok. C'est pour ça, ouais. Parce que si t'avais monté les 4 niveaux et que t'avais pris si peu de dégâts, c'est pas normal. Parce que moi, quand la dernière fois que j'ai monté une arme, j'ai gagné 3 ou 400 dégâts, quoi. Merde, j'avais pas du revolver. Dégage-moi ça. Let's go. Y'a un coffre là. C'est de la merde. Y'a un mode, la mode Tesla. They're coming from everywhere. Everywhere, my blood. Ce genre de mission scriptée de ouf. Full débile. Hein. Allez, salut. Bah alors, ils sont les nuls, ça. Je sais pas, tu te balades. Non, parce qu'en fait, je m'emmerde un peu là. T'as vu qu'ils arrivent de partout, mec, de partout! Everywhere! Ouais, normalement, si tu fais pas les cages ici, ils font oups, ça a ouvert les cages! Cette bande d'enculés! Petit coca, toujours très important le petit coca. Ça met bien. Mais... Y'a trois mobs. Y'a trois mobs. Y'a juste. Ah bah y'a plus personne dans le laboratoire, merde. Pas de chance. Merci. Pourquoi ça se met pas à jour? Allô? Merci pour ah, le follow. Le rouquin, merci pour le follow, coach Heroes. Bienvenue à toi. 6000 XP. Mode taser, carabine. Quoi?
quelqu'un il s'est tapé de sa chaise pour moi. Moi je dis qu'il est maléfique, hein. On va plutôt le sacrifier. Attends, je dois répondre encore à deux candidats. Issou. B. Vas-y, lance, tu peux lancer la quête. It's a bit of a mystery. You all have the same blood type, O negative, but that might just be a coincidence. No. Et donc, c'est quoi la quête? Ah, deux fois. Donc, les indigènes pour lui comprendre le logo. D'accord. Alors, carte. Je suis la carte. Laura, m'entends parler parce qu'elle est complètement défoncée. Bah. What? Ok, donc on a passé les 50 candidatures. Demain, gros, t'en as 3000. Ça, j'espère que tu vas bien. Bah, c'est Coach Heroes, justement. Faut faire partie de l'aventure. Je suis en 3 ans, je suis mais compétiteur en homme. Ça marche. Coach Rose, est-ce que t'es sur le live? N'hésite pas à m'envoyer un petit CV de ton niveau sur les jeux. Ton niveau à dicter est très important. Et surtout en calcul mental. Parce qu'il faut que tu carines personne. Non, le calcul mental, c'est pas primordial en vrai. Attends, si j'ai pas de réponse de Coach Rose dans les 5 minutes, faut que je lui envoie un message sur Twitter du coup pour le dire. Mais un plaisir de te voir sur la chaîne en tout cas. Et oui, ce sera un plaisir de jouer avec toi aussi, hein. Y a pas de problème. Faut sortir là? Ouais. Pourquoi tu prends la caisse? Parce que je suis américain. Ah! Pas de problème, je te fais ça. Merci Code. Merci beaucoup. Eh, lui, il pollue la planète! J'ai dit que j'étais américain, j'ai pas dit que je pollue la planète. Tu sors, c'est que ce qui est plus drôle, c'est que je cours plus vite que toi. Le mec, il me bloque. Il me bloque pour gagner du temps. J'ai bloqué la bagnole en fait. Qu'il a bloqué la caisse et après il me troll. Ouais, là, on va arriver dans la partie de la jungle où on va chez les indigènes, on est d'accord? Ouais. Ah, c'est le meilleur moment ça. Cannibales. Oh là là, la Zizou que je viens de leur mettre. Spoiler, tu auras du monde à tuer. Hein. Ah! Vite! Et quoi, y'a deux berserkers là? Allez, salut. Rect. Celle-là. Bon, ça c'était très efficace. Ah, c'est vrai que j'ai ça encore, tiens. Ça brûle, chef. Chef, ouais, brûle. C'est normal, c'est l'été. C'est l'été, bien se passer, t'inquiète pas. Salut les potes. T'es la filico, une carabine? J'ai bloqué un succès sauveur. Parce que tu m'as sauvé la vie? Pas du tout. Moi j'entends des zombies là-dedans. Salut mon pote. Savatez-le. Les pires joueurs. Kaira, c'est le son de Kaira. Tiens. Mets des coups de pied, mec. Mets des coups de... Quoi? On a pris une... Double. Ouais, super. Il est devant, je peux pas lancer mon arme. Moi, j'ai lancé la mienne si tu veux.
J'en ai une qui a disparu, je crois. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça change pas d'habitude, mon gros. Ça, pendant tout le jeu, je vais te le faire, ça. Et pendant tout le jeu, tu vas me le faire aussi. Hein. Le chat d'ailleurs qui était devant la porte, quand même. Comment que je te connais pas? Tu me prends pour un débile ou quoi? Tu me prends vraiment pour un gros débile, c'est gravissime. Hein. Oh, les zombies, ça va ouvrir les portes! Ils sont malins. Hein. Comment ça qu'ils rentrent par là? Alors, on va dire vite fait le MP. Très, très sympa, Coach Rose. T'en as pas marre de te plaindre? Je me plains pas. Et, là, tu pourrais dans une mine en train de travailler là. À la place de ça, t'es chez toi. Avec ton putain de ventilateur. Tu manges un putain de kebab. Et tu joues à des jeux vidéo. Triste vie, hein. Ouais. Non mais il y aura encore mieux comme vie. Je pourrais être dans la réalité en train de casser la gueule les zombies. Ça n'existe pas encore. Bientôt. 2050. Prépare-toi. Pareil c'était le 12-12-2012 mais... Non mais ça c'était une connerie ça. Au casse de vie. Bah si, je confirme qu'il est crevé. Hein. Il y a pas... C'est moi qui viens de le fumer donc. Si, je confirme qu'il va bien. Hein. Pourquoi y'a un accroupement qui a pop là? T'es parti où? Je suis en train de faire des missions, hein. Je suppose que toi tout ce que tu vends. Mais... Ah oui, ok, mais non, mais t'as envoyé vers ton ami, ok, mais je savais pas qu'on a une nouvelle quête en fait. Bah, j'ai juste fait. Moi j'ai fait deux quêtes là. Je sais pas ce que toi tu vends, mais. Bah, j'étais parti sur la quête principale. J'ai commencé à casser la gueule à du zombie. Ça m'étonne pas. La vie habituelle? Et y'en a une autre. C'est quoi la récompense? Je sais pas. Dis-moi que ça valait le coup d'aller désinguer son pote. 300$. Ah non, 3000. Okay. Comment on rentre? Ah, par le top, peut-être. Tu veux rentrer où? T'as une mission à faire? Bah, y a un truc à faire là pour lui là. Apparemment, il dit oui, ma glycémie elle est basse. Moi, je lui dis pas les couilles, il m'a dit. S'il te plaît, allez. Allez, pas ton chien. Bon d'accord, bon d'accord. Ok. Moi je loot, hein. Merde, j'ai ramassé encore un revolver de merde. Revolver difforme. Compétence. Ah d'accord. Le machin, en fait il voulait de la nourriture. Gros, j'ai ouvert le coffre pour prendre la nourriture. Gros, c'est pas des boîtes de conserve ou... Non, c'est un pack de caviar. Ah non, c'est des sneakers. Ah, il se met bien. Hein. Ah, le mec. On a des valeurs, on a des valeurs ici. Ah bah, ouais, c'est un sacré voleur. Ok. Ma glycémie elle est basse. Bah, ouais, mais c'est pas avec un paquet de sneakers, gros, que ta glycémie elle va remonter. Hein, quoi, ce que tu vas nous faire, c'est une crise de foie. Hein. Faut en faire plusieurs en plus? Tiens, je lui amène deux caisses de snacks qui étaient contenues dans des coffres forts. Apparemment, les snacks c'est sacré à Hanoï. T'es rentré comment là-dedans? La magie du cinéma. Ouh, le coup crie infirme. D'ailleurs, ça va peut-être te faire. Attends, j'arrive. Eh, mais encore? On voit un SMS, il a calé sur MSN, casse pas les couilles. Envoie lui un whiz, mec. Mais à la fin, c'est. Ah, je me sens pas bien, est-ce que tu peux me sucer la bite aussi, non? Cucri. Oh, ça c'est des armes stylées, ça, dans Dofus. Ça ressemble à quoi dans ce jeu de con? Bah, ça ressemble à un cucri. Un cucri, ça ressemble à une machette. Issou! Oh, elle est pas mal, hein. Y'a encore une mission à faire dans ce coin là, ou je peux me commencer à me barrer? Bah, tiens, j'y suis allé, hein. Vas-y vers lui, tu vois. Ok. C'est laquelle de quête que tu fais? Message d'amour? Putain, j'en peux plus, je vais voir un coup.
suis Sambi, moi je suis pas là pour aider, moi je suis un rappeur mon pote. Je pousse des mecs de la scène. Ah c'est bon, tu peux parler à Seb. Alors Vincent, je reviens, j'ai un problème, j'ai un gros problème de moustique là. Il y en a genre 1 million dans mon salon, c'est un bordel. Attends, ça va être la guerre. Là. Ah putain, tu casses les couilles, je peux pas lui parler parce que t'es devant. Pardon. Vas-y, bah file des sabres japonais, écoute une boîte. Hein. Wakizashi, pas de soucis. La situation gravissime, j'arrive. Salut Sniper. Je sais pas ce qui vient de se passer là, j'ai tué legit 50 moustiques mec. C'est quoi le... T'es là Vincent? Ouais oui. C'est quoi le Wakizashi là qui vient de me lâcher? Wakizashi, c'est un mini sabre japonais en fait, c'est ce qui se portait en complément du katana. 700 aussi, en fait, oui et ça tape 700.
T'en as aussi toi du coup? Oui bah tiens il est à tes pieds. Ah merde, non mais tu le gardes pas? Parce que 700 c'est beaucoup quand même. C'est un sabre. Je sais bien mais... Bah c'est un sabre. Bien résumé ça. T'en rajoutes à descendre, je suis un peu... Ouais ça marche, je me dépêche de ça. Je réponds, j'ai encore deux candides. Mec, franchement j'ai tué 50 boutiques là, ça n'a aucun sens. Je sais pas d'où ils sont sortis. Bah ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés, ça peut. Mais ma fenêtre était pas ouverte. Et en fait j'ai regardé vers mon store et puis j'ai vu plein de points noirs sur le plafond, je fais qu'est-ce que c'est que cette merde. Et en regardant de plus près, j'ai compris que c'était la sauce. Je comprenais pas pourquoi je me faisais piquer. Ah là j'ai compris. Ah là c'est bon, c'est génocide. Je suis en train de faire une marche arrière du turfu à l'envers sans pouvoir regarder. Au talent. Bah je suis là, attends, je monte dans la voiture comme ça je peux répondre. Ah. Donc en fait les bruits de musique que j'entendais in-game, en fait c'était pas du tout in-game. Parce que t'entends jamais de bruits de musique in-game toi. Ah mince. Non mais est-ce que t'entends déjà des... Est-ce que t'as déjà entendu des bruits de moustiques in-game ou pas? Non. Ok donc ouais c'était... En fait c'était pas in-game, c'était... En fait il passait à côté de mon oreille en fait. Ah bon on est arrivé. Faut un autre moyen d'aller à la grotte. Alors faudrait qu'il m'explique le guerrier. Il est à moitié à poil. Attends, il veut pas que je lui lance une hache dans la gueule pour que je lui lance mon petit sabre japonais là, il est où? Tiens bien gamin. Non, je suis en train de chercher l'arme que je vais dégager parce que... Je suis en train de chercher l'arme que je vais jeter dessus. Quand tu fouilles un panier d'osier, tu trouves 200$ dedans. Moi je vais me téléporter dans cette pile là. Hein. Tu fous des paniers en osier, tu trouves deux machins. J'ai vu du vol, hein. J'ai vu du vol. Le pire enculé. Bon, attends, si les mecs ils ont le temps de foutre 200$ dans un panier en osier, je suis désolé. C'est pour les offrandes, mec. Les offrandas. Est-ce qu'on fait l'arène au point, mec? Ouais, si tu veux. On gagne pas. Spoiler, on gagne pas. Tiens, prends ton arme, mec, mets un headshot au chef. Faut le régler. Non, tu fais trop de dégâts, t'es au point. Oh strong! Are you strong? C'est moi qui ai des armes en fait là? Ouais, des armes partout. Laisse-moi s'il te plaît celui-là, laisse-moi celui-là. Tiens, prends celui derrière toi, si tu veux. D'accord, on s'est pas compris. Apparemment, ça se passe bien au point. Ça nique pas trop de Samina du coup, non? Ah oh, le Waki, je sais pas quoi, Zobo là, c'est broken. Hein. Bah, moi aussi, apparemment. On veut voilà qu'ils sont en feu maintenant, c'est nouveau. Ah oh, ouais, c'est broken, je les instante tous. Hein. Moi aussi. On met des grandes droites dans la gueule. Ah, mais là, c'est vraiment débile. Hein. C'est débile. Et il manque un sabre. Non mais, le mec il est pas impressionné. Alors j'ai éclaté 4 zombies à coup de poing. Il va nous envoyer 4 bouchers là. On va voir que c'est qui va bégayer. 4 bouchers, 3 assassins, 2 noyés. Allez, traité. Vas-y, démonte-les au point, vas-y, moi je regarde.
I'm not impressed. Ah, quand t'as plus de stamina, c'est pas... Bah j'ai plus de stamina et j'essaie de... C'est bon, ça reprend. Round 2. C'est un vrai combat de boxe. On se casse. J'ai entendu, maybe you can end, I'm looking for something. Attends, je mange des pommes qui traînent par terre depuis combien d'années. Ça a l'air sympa. C'est pas mauvais, hein. Comment on se voit? Je connais un passage. Ah. Can we talk? Non. C'est non. Non, ça... Mec, j'ai essayé de te bloquer en haut de l'échelle, mec, tu m'as poussé quand... T'as vu comment tu m'as dégagé? Non, j'ai pas vu. Non, j'en ai déjà. Je crois que j'en ai déjà des flas. Ah, bah c'est bon, tu les as aussi, parfait. Après, ça valide pas les quêtes. Ça valide chez toi là? Attends, au dodo. Ouais, c'est bon, c'est une quête répétable, c'est bon, t'as plus besoin de la faire. Attends, ça rapporte combien? 600 XP, va te faire foutre. Va juste te faire foutre en fait. Et lui! Attends, j'étais en train de faire mon demi-tour. Et t'as pas planté la caisse? J'ai pas planté la caisse. Incroyable. Attends, j'ai pas de marqueur, je sais pas où on voit. Quête. Bah, j'attends, y'a une carte là. Prends ce fichier, pour prendre par la carte. Y'a une carte là, gros. Attends. Et mes 4... Je voulais mes 90 XP. Super. Grosse conduite en tout cas. Ah bah attends là. Oh, il a démonté ma caisse. Il y a des rieurs de partout. Mais ici toi. On se rappelle. Non mais oh là ça. Il a fait des rieurs partout sur ma bagnole. Bah, normal. Allô? Le Joule David là. Ça bug à mort je crois. Love Maldo c'est mort. Ça bug à mort, je t'entends dire que des conneries. Donc comme prévu je cours à pied et je vais être avant toi quoi. Par contre, le katana 700 dégâts non amélioré, c'est un fin de boule. Hein. Salut. Y'avait pas un mec là? Je crois qu'il y avait un mec là avant. Ouais, mais ça c'était avant. Il s'est fait manger. Ouais, il s'est bien fait manger en vrai. Hein. Il est où? Non, mais il est où ce con? J'ai éclaté un boucher sur la route. Ah, mais il est là. Il est mort. Confirmé. Bye. Ouais, les mecs là sont inutiles. Bah, on lui a quand même fait 3 quêtes pour lui quand même. Bah ouais, bah il a donné tout le monde. T'as 10 HP, bon, fais gaffe. Bah j'ai 2 HP, il y a 3 zombies et le mec il descend sa bagnole au calme. T'as dû prendre la carte, hein. Perte de temps. Il y avait des gens ici, ouais. Oula, oula, je suis dur. Aucun fait de jeu de ce que j'aime faire. T'inquiète, derrière moi c'est des fanboys, faut les laisser faire. Ah, ça fera pas. Je vais y aller, tiens. Je vais faire une rencontre abonnée. Eh, c'est par où là, Zilan? Ça, la Zilan, je peux pas dire où c'est, malheureusement. Je suis mort. Ils m'ont surpassé. 15 000$ dans le cul. 8 700. Ah, c'est vrai que t'es pauvre toi. Bah je suis beau, je m'en bats les couilles, j'avais pas besoin de mon argent. Yotitit. Faucheuse, c'est quoi ça? Faucheuse. C'est pour moi encore ça. Ah, ce bouton de merde. Faucheuse infirme. C'est de la merde ça. Faucheuse infirme, quel nom incroyable. Je vais améliorer mes armes et regarde bien combien de temps je vais les perdre.
Tu l'as pas vu venir celle-là. Il y a des quêtes à lancer, je crois. Tu veux une faucheuse sauvage du coup? Attends, j'améliore mes armes de con. Mes katanas là. Personnage asthmatique, c'est incroyable. Hein. Merde. Mec, ça fait 4 jours qu'il est en train avec l'attaque du zombie. Le mec, il est toujours pas. Il s'est toujours pas remis. Il a pas un physique de tueur, quoi. C'est bon, mes deux katanas sont modés. On va voir en combien de temps je vais les perdre. Un truc électrique, non? Parce que c'est rigolo l'électricité. Ouais, j'ai mis les deux électriques. Haute tension et décharge électrique. Y'a que ça de vrai, hein. Non, mais oui, en dégâts bruts, elles sont à 1000 les armes. Brut. Bah, c'est-à-dire qu'en dégâts de lancer, je sais pas comment je vais mettre en plus, mais ça va être débile. Hein. Ça aux F. Moi je vais arriver dans les trucs après, j'ai plus rien à monter presque sur mon perso en vrai. Je suis niveau 34 et je suis quasiment déjà à fond. Tu fais quelle quête là du coup? Bah déjà il fallait que je récupère des échantillons à la con. Et l'autre quête c'est transporter les produits chimiques de l'entrepôt jusqu'au labo. Je les transporte, vas-y, je les transporte. Ok. Moi du coup je vais aller rendre celle-là. Si ça valide, je suis mort de rire. Magnum de carap. Quoi? Puis la merde ce magnum. Je reconnais ça. Je connais un vendeur qui va me l'acheter. Il est où le vendeur là? T'es où Joe le Geckos là? Vendre. Comment tu t'appelles? Ça. Je suis un peu la merde ce magnum. Quête, carte. Ah mais t'as rien transporté du tout en fait. De quoi? Je vais faire la quête, il l'a jamais lancé. Bah, j'en ai filé, moi j'en ai filé une. Mais t'en as filé une, t'as fait ce que je suis en train de faire en fait. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Non, je t'ai dit qu'il faut transporter les trucs de l'entrepôt machin, parce que t'as fait. Mais ça, ça me concerne pas. Mais je vais te casser ta gueule en fait. Je sais pas où t'es, t'es où? Bah, je suis dehors. Il faut donner encore un truc à un mec là? Je suis en train d'expliquer Y'a rien à voler dans ce labo, c'est vraiment de la merde hein. La racaille. Vous en voulez encore hein? Ah il aime ça. Faut faire quoi du coup comme quête là? Parce que je suis perdu hein.
appuie sur I. U. Et substance et produit. Voilà. Ok. T'as l'air d'être en grande souffrance là. Super. Connard. L'esprit de groupe ça. L'esprit d'équipe. Waouh, le magnum de massacre qui tape 600. J'ai vomi dessus là. Hein. Oh quel plaisir de pouvoir sauter à deux pieds joints sur la tête du mec. Katana, c'est très efficace le katana électrique. Putain, mais c'est où ces produits chimiques de merde quoi? Bah, j'essaie de trouver l'entrée, mais je vois pas où est-ce qu'on monte. Ah, bah là, je suis con. Putain. Deux de cuit. Deux de cucu, on l'appelle le type. Fais gaffe que je l'électrifie pas, hein, parce que sinon, tu risques de voir flou un petit peu. Ça fera toujours marrer ça. En même temps j'ai des dégâts de zone maintenant. J'ai 30% d'AOE. Ah ça fait gaffe, ça fait mal hein. On fouille tout. Les rats. Ouais, les coffres forts vides par contre ça c'est pas super hein. On se croit sur Tarkov. Mais c'est des produits dangereux, mais t'as un malade mental hein. Après, on s'étonne que la France va mal après. On t'a pas appris à faire ça sur les 4 dead pour aller plus vite. J'ai pas joué les 4 dead, ouais. J'ai pas joué à Payday non plus. Plutôt crever que jouer à ces conneries. Bah d'ailleurs. Jette, on fait une passe. Les 4 dead là il est gratuit ce week-end sur l'Epic Games Store. Pas les couilles de ton Epic Games Store. Tiens, regarde, tu oses. Alors, donne. Je vais te montrer ce que j'en fais de l'Epic Game Store. Non. Tu prends Epic Game Store. Bloque pas. Tu prends et tu mets poubelle. Tu vois. Bon bah là, vas-y. Allez, avance, espèce de gros con. Tiens, je te fais un pass. Attrape. À moi. À moi. Les scientifiques, vous avez fait quoi avec vos trucs? Parce que je vous avais bien dit qu'il fallait absolument pas le secouer hein. Ouais. Puis pour l'instant Tariq est mort, il arrive. La mission est complète. On a bien réussi la mission. Le mec il ouvre le truc, ça explose. Allez, viens Morty, on a fini notre mission, on se casse d'ici. T'es sûr qu'on l'a porté là parce que c'est à 40 mètres hein, l'objectif hein. Ah bon. Effectivement c'est pas là du tout. Attends, si, non, c'est peut-être dedans en fait, je suis en train de dire la merde, c'est peut-être dedans. Ah. 40 mètres, c'est, pour moi, ça fait pas 40 mètres, c'est de la bonne merde. Hein. Vas-y, amène. Bah, si, le chemin en Poitiers, il est par là. Mais j'ai pas de chemin en Poitiers, moi, oublie pas. Si je l'avais, je pourrais te dire oui. Je l'ai pas. Hein. Ça peut me défoncer, découvrir sur la fois, hein. Je suis pas défoncé, c'est le jeu qui est défoncé. Hein. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Mais tous les confondants sont vides. On pourrait les remplir entre chaque maison qu'on vient. Tiens, il me restait une pièce de 200 balles. Tiens, ta merde là. Encore une candidature, excusez-moi. Tu sais pas ce que j'en ai fait par contre.